Les pièces? Bah, t'as l'impression qu'il faut les poncer, les. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non! Je l'ai cassé! Bah, allez, il est rentré, hein. C'est mal foutu leur truc là! Aujourd'hui est l'anniversaire de Kiki! Ça y est! 24 ans, les amis, en ce vendredi. 24 ans, et mon Dieu, j'avais pas envie de faire mon anniversaire! Comment ça va, les copains? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, on va la jouer un petit peu archéologue, j'ai envie de vous dire. On va un petit peu fouiller des ossements, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait, putain? Ça a été la semaine du dinosaure, mon pote! Donc du coup, vite fait, petit disclaimer pour tous ceux qui sont en mode, c'est quoi ce maquillage et tout? Voilà, jour de mon anniversaire, jour de fête, donc voilà, les amis, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors regardez ce que j'ai reçu avant de commencer cette vidéo. Ça sera notre mascotte. Vous savez que je suis fan de Pop, il y en a derrière. Et là, j'ai reçu, vous savez que je suis fan notamment aussi de Rick et Morty, et j'ai reçu le Pop Cornichon de Rick quand il a sa caméra et ses piles. Il est juste incroyable. Et derrière, il y a tout le système, pour ceux qui ont vu l'épisode, il y a tout le système avec ses petites piles, il est branché sur le côté, il y a la caméra, il est putain de bien fait. Et voilà, j'ai reçu le petit Pop, donc ça sera notre mascotte aujourd'hui. Donc, on va commencer cette vidéo tout de suite, sans plus tarder. Alors, de quoi on aura besoin? Déjà d'un mouchoir, parce que j'ai filmé mon bureau, vous allez voir, c'est n'importe quoi, j'ai dû filmer le bureau. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un petit peu d'archéologie, avec un petit jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça et je voulais vraiment le faire. Ça me tenait vraiment à cœur. En fait, ça se trouve, il y en a plein qui ne connaissent pas. Et là, tu connais pas? Il n'y a que moi qui connais ce truc? Mais c'est moi qui vis sur Mars ou c'est vous qui êtes parti sur Mars? À quel moment ça a merdé ce jeu-là? Du coup, c'est enfin, c'est même pas un petit jeu. Si, c'est considéré comme un petit jeu. Du coup, Discover, moi, c'est Dinosaur Skeleton, donc squelette de dinosaure. Et en fait, c'est un petit bloc donc qu'on peut voir ici. Et en fait, on va le... En fait, il va falloir creuser le petit bloc pour avoir les ossements du dinosaure et avoir le dino à l'intérieur. Je l'avais commencé il y a putain de longtemps. Regardez, je vais vous le montrer. Et j'avais arrêté. Mais vous allez voir, il en reste encore masse. Hein. Et encore heureux que j'avais commencé parce que je n'avais pas fait une vidéo de 40 minutes dessus. Donc on va regarder. Alors moi par contre, j'ai eu un dino. Je ne sais pas. Alors, il y avait possibilité d'avoir un Tyrannosaurus. Il y avait possibilité d'avoir un Seismosaurus. D'avoir un Spinosaure. Un Tricé ou un Stego. Et moi j'ai eu un Deinonychus, ou Cus, je sais pas comment ça se prononce. Alors, on va tout mettre comme ça en bord pour vous, vous voyez. Et là, voilà, on a quelques morceaux de squelette que j'ai réussi à déterrer. Alors, ici, visiblement, on a un morceau... Qu'est-ce que c'est que ce... Ah si, on a... Là, on a la queue avec un morceau... Attendez, je vais vous le montrer de près. Un peu comme les youtubeuses beauté, vous savez, elles font comme ça. Vous voyez, j'ai déjà de la poussière sur les mains, ça commence déjà à partir. Alors, on va sortir le petit rocher... Eh hey, mais ne me dites pas que vous aviez pas un truc comme ça. Ah ouais, moi j'avais pété un truc par contre. Bon, là on a un morceau de queue. Ok, donc là c'est bon. Et en fait, j'ai pété la queue. Ah, on a un bout de patte. Attendez, j'enlève le petit truc. Ah, on a un bout de tête. Il reste pas grand chose en fait. Tant mieux, c'est bien. Pour cette vidéo, comme ça. Alors attendez, on a un morceau de tête. Tête magnifique. Regardez-moi ça. Qu'on peut retrouver ici. On a un bout de patte. Donc, alors, attendez, les pattes, faut que je les mette ensemble. Mais j'ai tout pété, en fait. Oh là là, mais je suis une folle, moi, quand je fais mes trucs. C'est pas grave, je les recollerai. Bon, on a un bout de queue que, visiblement, j'avais pété. Donc, attendez, je vais vous mettre les petits morceaux. Je vais vous les avancer pour que vous puissiez voir. Moi, dans les commentaires, si vous jouez, quand vous étiez plus petit, à ce type de jeu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui connais... À chaque fois que j'en parle en live, je suis toute seule. J'ai l'impression que personne ne connaît le truc, quoi. Alors que moi, ça me foutait une hype de malade, ce type de jeu. Et j'ai vu sur Internet, j'ai tapé l'autre coup pour voir s'il en existait des plus gros modèles. Parce que là, les plus gros modèles, je kifferais trop. Mais j'en ai pas spécialement trouvé. Je crois que j'ai trouvé un truc avec un mammouth. Mais je sais pas si c'est un gros ou pas. Et si ça vous plaît, bah dites-le moi, comme ça, je ferai quelques vidéos comme ça. Rigolote, sympa. Je me suis dit, allez... Autant, quitte à finir... En fait, c'est quand j'ai fait le déménagement que je me suis... Oui, c'est loin. C'est très long. C'est quand j'ai fait le déménagement, en fait, que j'ai retrouvé ça. Et je me suis dit, mais putain, mais je l'ai jamais fait, quoi. Et je me suis dit, c'est le moment de le faire. Et pourquoi pas le faire en vidéo? Ça peut être rigolo.
Par contre, là, pour le moment, oh, ça va, ça se creuse hyper vite. Dans mes souvenirs, c'était putain de long à creuser. Regardez tout ce que j'ai enlevé déjà. Ça va vite, en fait, regardez. Toute cette coque. Ah, ça va hyper vite. Par contre, faut prendre le temps. Faut prendre le temps, et quand tu sens que tu commences à arriver vers un os ou un truc, bah là, par contre, tu prends vraiment, vraiment le temps. Vous vous rendez compte si les vrais archéologues, ils faisaient comme ça? Sans déconner, vous vous rendez compte? Les mecs, ils y allaient à coups de gros marteau, ils pétaient les trucs. Super la gueule des ossements retrouvés. Hein. Vous savez de quelle année il date, ce truc? Ça, c'est d'époque. Hein. Là, le bloc là que je suis en train de faire, je vous mens pas, ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai. Sans déconner, hein, ça doit faire 6 ans. Plus de 6 ans que j'ai le bloc, et que bah je l'ai pas fini, quoi. Je l'avais commencé, je l'ai pas terminé. Et je me suis dit, mais faut trop que tu le termines. Oh. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, il faut trop que tu le fasses, quoi. Bon, là, pour le moment, on n'a rien. Ouais, 6 ans, putain, j'ai envie de me dire, ça date. J'ai mis du temps pour le monter, ce raptor. Et du coup, on le mettra derrière. Bon, je pense qu'on le verra pas beaucoup dans le décor, mais bon, il sera là. Il sera là, on l'aura fait ensemble. Oh, il y a un nouveau truc, je crois. Il y a un nouveau truc. Yeah. Je sais pas ce que c'est. Ah, oh, c'est un morceau de pâte. Oh, je suis sûre que c'est de la patounette. Ah, va falloir y aller doucement. Oh, je vais vous montrer. Regardez-moi tout ce bordel. Attendez, on va le prendre le pinceau. Oh, je me sens archéologue, c'est un truc de ouf. Vous savez que c'était un métier que je voulais faire quand j'étais petite archéologue. En fait, elle est là. Là, il y a un morceau. Et en fait, ça suit tout du long. Je sais pas si vous le voyez. Si vous voyez un peu, quoi. Mais Attends, vous voyez sans plus, c'est quoi ces conneries? Attendez, je vais le gratter un peu plus pour vous. A few moments later. Oh! Putain, il s'est pas cassé. Wouhou! Regardez, on a un morceau de pâte. On a une patounette. C'est bon, on a la deuxième pâte. Du coup, il nous manque plus que... Je sais pas ce que c'est. Une vertèbre? Ah bah, elle est tombée. Non, elle s'est pas cassée, j'espère. Non. J'ai un autre morceau là, d'un truc que j'avais peut-être pété précédemment. Je sais pas ce que c'est. Un petit thé. Je sais pas ce que c'est. Je vous le mets là. Non, il y a plus rien, les amis. Il y a que dalle dans ce bout de caillou. On a plus rien. J'ai les mains. Regardez-moi cet état. Putain, l'état de mes mains et mon pauvre Rick à côté. Donc on va essayer de monter du coup le dino. Sauf que, putain, j'espère. Bah, je vais pas vous mentir, je me souviens quand même comment se tient un raptor. Mais, étant donné que j'ai des morceaux, j'ai l'impression qu'ils sont pétés. Bah, je suis un peu paumée du coup. Ah, regardez, attendez, j'arrive à lui mettre les pattes. Par contre, je pense vraiment qu'il va falloir quand même que, vu que j'ai de la super glue, que je le lave. Et qu'après, je lui mets sa super glue parce que vous voyez, ça tient pas. Il va vraiment falloir que je lui mette sa super glue. J'ai l'impression que rien n'est fait pour que ça s'emboîte. Finalement, j'ai l'impression que c'était quand même plus simple pour moi de monter ma chaise, Clim. En fait, ça, bah, c'est fait en usine, quoi. Mais du coup... les pièces, bah, t'as l'impression qu'il faut les poncer, les... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non! Je l'ai cassé! Bah allez, il est rentré. Hein. C'est mal foutu leur truc là. Attendez. Mais c'est de la merde. Il est pourri leur système. Déjà ça m'énerve parce que j'ai pété un truc. Ça me saoule, comme s'il n'y avait pas assez de trucs pétés sur ce modèle. Vous savez ce qu'on va faire déjà? Je vais aller tout laver. Je vais aller laver tous les petits morceaux là. Parce qu'il y a trop de terre dessus. Et après, on s'occupe de faire le montage ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur. On me revoilà les amis du coup. Alors, bon, j'ai lavé les pièces. Et j'ai essayé de comprendre ce qui était pété. On va sortir la colle. Et c'est le moment de pas se planter parce que sans déconner, pour ceux qui... Putain, ah, c'est collé de ouf. Voilà.
Pour ceux qui utilisent de la colle comme moi et tout, vous savez que c'est le genre de truc, tu t'en fous sur les doigts. T'es foutu. Ça reste pendant une plombe. Alors. Voilà. Donc déjà, le premier, comme ça. Et si après le bordel ne tient pas droit, finalement cette vidéo n'aura servi à rien, quoi. Ça n'aura servi à rien du tout de faire tout ça. Bon. Pour le moment, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'est pas incroyable, je vous l'accorde, c'est pas ouf pour le moment. Mais ça avance. On prend notre temps, ça avance, voilà, regardez ça, ouais, on avance, putain on avance, ouais, il y a un putain de problème de patte. Il a une patte qui est totalement partie en couille, pourquoi elle est comme ça la patte? Mais il a une patte atrophiée, regardez par vous-même, il a une putain de patte atrophiée, là il est droit, attendez, je vais vous le montrer parce que là, vous allez mieux comprendre la situation. Il est là, ok. Et il a une patte qui est atrophiée. Bon, la patte de devant. Mais écoutez, ça a merdé à la naissance et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va mettre la tête quand même parce que ce serait stylé un peu de lui mettre la tête, je pense. Et voilà, je me suis recollé les doigts. Bon, alors j'ai tout recollé. Je pense que j'ai tout recollé et que j'ai réussi ma mission. Sauf que comme vous le voyez... Je pense que sa queue devait être pointue. Ouais. Et là, j'ai pas le bout manquant, quoi. Tout ce temps passé, les amis. Tout ce temps passé pour ça. 1h03 et 48 secondes de vidéo pour ça. Sans déconner, ça devient grave. Plus le temps avance, et plus j'ai des problèmes. Ça y est, plus je développe des problèmes. Mais n'empêche, voilà, je voulais partager avec vous cette petite vidéo, en fait, qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, pour le coup. C'est des jeux, mais ce n'est pas des jeux vidéo. Et en fait, quand je l'ai vu, quand je l'ai retrouvé, en fait, après mon déménagement, j'étais hyper nostalgique, en fait, et ça me rappelait tous les moments, en fait, où je faisais du montage, comme ça, où je passais des heures et des heures avec ce petit bloc à essayer de le... Bah, de l'ouvrir de part en part pour avoir le petit squelette à l'intérieur. Donc je pense qu'il trônera du coup dans le décor, je ne sais pas. Où est-ce qu'il va trôner les amis? Dites-moi, attendez, je me décale un peu. Non, dans l'autre sens. Du coup, vu que la cam est inversée, je ne sais pas où est-ce que je peux le mettre. Où est-ce qu'il irait? Je pense qu'il irait bien, peut-être vers Mario, peut-être. Ou sinon en haut avec les pop. S'il faisait taille comme ça, ça serait bien. Parce que du coup, il pourrait même aller... non. Par là. Voilà, là, bam, il serait bien ici. Mais je ne sais pas où le mettre. Peut-être sur le Wendigo is coming, peut-être. Ça pourrait être pas mal, je sais pas, mais en tout cas, il est tout petit. Dites-moi dans le décor, dans quelle case vous le verriez. Ça, j'aimerais bien savoir. Comme ça, on le mettra, ce sera la petite mascotte où j'en aurais bien chié, j'aurais bien mis 10 ans à le faire. Voilà, je sais que c'est pas une vidéo jeu vidéo comme je fais d'habitude sur smartphone ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'avais envie de passer du temps à le faire puisque ça m'a rappelé voilà, des moments de mon enfance. Je sais pas si je vais le peindre, j'hésite à le bomber en noir mat ou en couleur or. Dites-moi si je le laisse tel quel ou si je le peins. Dites-le moi dans les commentaires. Du coup, j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez connu ce jeu ou pas. J'aimerais vraiment savoir si je suis toute seule à le connaître ou non, s'il y a d'autres personnes qui connaissent. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas, ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Anniversaire, live spécial anniversaire de Kiki. Ça commence à partir de 21h, mon petit Michel. Et oui, voilà. Donc je te dis à tout à l'heure ou sinon à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.